Bon, mesdames et messieurs, on fait un petit tour de la map rapidement. On est sur la map Van Lille. La rediffusion, la première diffusion a déjà été diffusée depuis un moment. La deuxième sera disponible vendredi soir, donc dans 2 jours, parce que demain c'est le dernier épisode du Douy, mesdames et messieurs. Et oui, on fera peut-être un épisode bonus en live à l'occasion, peut-être un dimanche soir ou un truc comme ça. On fera un épisode en plus, un épisode un peu bonus. Et donc on est sur la map Van Lille. Donc map qu'on a commencé, c'est notre 7ème live dessus. C'est une map, alors l'objectif c'est de faire une ville nordique, mais sur plein d'îles, voilà, sur plusieurs îles, histoire de faire un gros centre-ville, mais sur plusieurs îles, quitte à pourquoi pas aller un petit peu sur la terre, hein, pourquoi pas, construire un peu à des endroits, peut-être, je sais pas, la connecter ici via des ponts, etc., on verra. Et donc on a fait cette magnifique zone de canon qu'on a fait avant-hier, qu'on a galéré à faire, il nous a fallu 1h30, mais elle valait le coup, elle est stylée. Donc avec beaucoup de bâtiments qui font très nordique, là il fait beau, c'est cool. Ils arrivent et ils partent d'où les trains. Ouais, que l'extérieur de la map pour l'instant, ouais. On a, alors je sais pas pourquoi on a ça là, j'ai dû me tromper, mais bon, pourquoi pas. Là, ils sont sous la neige, eux, tu vois, pas de bol. Donc là, un gros centre-ville, avec la cathédrale, avec beaucoup d'arbres, c'est assez vert. Il y a une petite havre de nature ici au milieu. La grosse gare centrale que je viens de vous montrer, donc magnifique gare avec cette... Alors ça, faut qu'on refasse, ça va pas, ça. Ça va pas. Ici, des grands parkings avec un grand parc. Avec beaucoup de bâtiments aux commerciaux, etc. autour. Et puis, de ce côté-là, le beau château qui est sous la neige, mais qui domine un peu la ville, avec les éoliennes notamment au loin. Et puis, grand centre-ville ici également. Alors, c'est la même ville, hein, mais on dirait un peu des quartiers différents. Là, il n'y a pas de canaux, il y a beaucoup de quais, avec des petites plages, notamment au bout là-bas. Là, c'est la zone sportive que vous avez sur TikTok aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, ici, une zone très pavillonnaire, très résidentielle, avec ici un petit quartier un peu plus de bâtiments. Il y a des camions en centre-ville, par contre, ça va pas mal aller. Ça a pas mal les camions en centre-ville là. Et on a une autoroute qui passe en souterrain. Alors je voulais refaire ça. Il y a un truc, mais ça, parce que en fait c'est trop là. C'est aller trop en fait cette route. J'aime bien l'idée, mais je veux pas que ce soit si haut non plus. Tu vois, là c'est trop par exemple. On va refaire ce bout de route et on va essayer de le faire plus joli parce que hier, bon, je l'ai laissé tomber très vite parce que ça m'a saoulé. Mais on va essayer de faire un truc plus joli parce que, bon, l'idée est bonne, je pense. Et pour la circuit, ça peut être pas mal, mais il faut que ce soit plus joli par contre. Non, mais j'y tiens. C'est quel truc? C'est quoi? Accrocher la géométrie existante? C'est quoi là pour pas que ça... Pour pas que ça accroche... pour pas que ça accroche aux arbres là. Alors attends, on va mettre en mode anarchie. Donc on va se mettre... Mais moi je voudrais 10 mètres mais pas plus quoi. Ouais, tu vois là il... Ah oui c'est ça en fait. Pourquoi il choisit la hauteur lui-même? Donc c'est pas ça, c'est ça? Pourquoi il choisit la hauteur lui-même là? Accrocher à la surface d'un objet. Ah c'est ça qu'il faut désactiver. Ok, c'est bon, je l'ai maintenant. Ok, alors attends. T'es encore full éolienne. Je suis encore full éolienne, ouais. Alors je sais pas combien de temps on va tenir avec nos éoliennes là. Mais pour l'instant, on est full éolienne, ouais. Alors attends. Voilà, on va pouvoir partir. En fait, faudrait que les routes elles se longent là. Mais pas si évident à faire. On peut désactiver l'accrochage aussi là? Attends. Non. Bon, je désactive tout en fait, c'est ça? Ok, moi je désactive tout, voilà. Là, on est à la bonne hauteur. J'aimerais que ce soit à la même hauteur, en fait. Voilà, l'attaque. Et là, ça passe par-dessus. Voilà, nickel. Pas besoin que ce soit à 150 mètres de haut. Non. Oui. Et là, on baisse à la limite. Non, là, on se met là. Voilà, on met le pied ici. Et là, on va... Ah oui, non, faut pas trop qu'on... Oui, ok, là, on remet juste l'accrochage. Voilà. Hop. Ok, c'est déjà mieux. Et là, pareil. On peut rester à 10 mètres. Voilà, nickel. Bon, hop, un peu en virage, parce que quand même, il faut bien qu'on suive le reste. Et là, faut qu'on arrive là-dessus, par contre. Ok, on va juste refaire ce point-là, là. Voilà. Et après, il y a des points que j'arrive pas à déplacer, par contre. Ah, voilà, c'est bon. Juste bien les prendre. Ok. Ok, mieux. Ok, c'est un peu mieux, déjà. C'est un petit peu mieux. Salut, Audrey, comment tu vas? Poule éolienne, voiture électrique, Hidalgo, aux anges. Je suis pas sûr qu'Hidalgo soit fan des voitures électriques. Hein. Je pense qu'Hidalgo, elle est plus sans voiture. Je pense, plutôt... Comme beaucoup de gens, ouais. Dans les centres-villes, à bas les voitures. Hein. Et là, donc, petite route. Paf. Très bien, merci, et toi? Ouais, moi, ça va. Écoutez, on a fait une petite session guerre. Oh là là là! Qu'est-ce que c'est? Ah oui, je me suis mis en carré. Ça, je voulais faire. On a fait une petite session guerre. Écoutez, alors, attends, là, faut que je désactive tout, sauf ça. Voilà. Tac, voilà. Et en fait, le jeu est vachement mieux quand tu fais tout toi-même. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Quand tu te sers pas des outils du jeu... Étonnamment, c'est... Ah bah c'est mieux! Bon c'est un peu... Ah c'est pas... En fait c'est que c'est pas la même hauteur les points là. Je le baisse un peu lui, voilà. Là c'est pareil, là c'est un peu... Oh ça va. En vrai c'est mieux déjà. Ok.
On travaille pour que ce soit mieux. Donc en fait, à quoi sert cette triple route? Donc en fait, vous avez deux routes qui vont en... Alors attendez, là, ce point-là, on pourrait le déplacer un chouïa. Alors non, peut-être celui-là, je pense. Ah, voilà. Mieux. En fait, le but, c'est que les routes... On est une... Enfin, comment vous expliquer? Parce qu'en fait, ça, c'est le contournement de la ville, normalement. D'ailleurs, on pourrait le mettre en deux fois deux voies, le contournement de la ville. Hein. Et la route du mieux, est-ce qu'on peut pas la mettre avec une route plus grosse? Attends. Ou est-ce que je suis fou allié de vouloir faire ça? Alors, les routes sont un peu larges, quand même. Ah, les routes sont trop larges. J'aurais bien vu un joli pont, mais bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Hein. Toujours plus de movie pour les pentes, je ne sais plus si c'est bien ce mode. Ouais, c'est ça, mais non, toujours pas de... C'est Network Multitool, ouais, qui manque. Ah, mais il y a un autre bout, là? Ah oui, pareil, là, tu vois, l'angle est pas ouf, là. L'angle est pas foufou, là. Alors, attends. J'arrive pas à déplacer, là. Non, il y a toujours pas de Network Multitool, mais je pense que les modes vont pas arriver tout de suite. Parce que, comme ils font des mises à jour, et les modes, t'es obligé... Attends, je vais refaire la route, là, en dossier. En fait, les modes, t'es obligé de... En fait, à chaque fois que t'as une mise à jour, t'es obligé de refaire les modes. Et donc, ça plaît pas trop aux modeurs, hein, parce que du coup, ils sont obligés de refaire la même tâche à chaque fois. Bon, en tout cas, modifier des trucs. Donc, il y a moyen que ça mette un peu de temps pour que certains modes arrivent, quoi. Tant que le jeu est pas totalement stable, on va essayer de faire un peu mieux comme ça, là, regarde. Tac. Par de là. Voilà, pas mal. C'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Ça, sur Cities Skylines 1, c'est impossible à faire. Enfin, quasiment, hein. Beaucoup trop galère. Bon, ça bouchonne quand même, hein, mais c'est quand même mieux. Ok. Donc, est-ce que la circulation s'est améliorée depuis qu'on a enlevé ces saloperies de taxi? Bah oui, il n'y a plus de bouchons. Regarde-moi ça, mon magnifique... Ah, si, il y a des bouchons, là. Mais là, on devrait avoir deux voies d'entrée aussi, en fait. Là, on devrait passer en deux voies, en fait. On devrait passer en comme ça, là. Attends. Non. C'est ça. On devrait passer en comme ça. Voilà. Bah oui. Et là, c'est pareil, d'ailleurs. On devrait mettre deux voies. Qui fait que de ce côté-là, on devrait avoir quatre voies d'un côté. Alors, est-ce qu'on a une route à quatre voies comme ça? Oui, c'est ça. Si c'est ça, c'est ça qu'il nous faut. Attends, on peut avoir quatre voies d'un côté. Ah merde, c'est pas du bon côté. Dommage. Pas mal ça, parfait, incroyable. On prolonge un tout petit peu celle-là. Nickel. Oh là là, c'est magnifique. Oh, j'adore. Oh, les modes là, les modes qui nous mettent vachement bien. Hop, là on met 6. Superbe. Oh, c'est d'une beauté. Oh c'est top. Ça par contre c'est cool. Ça j'avoue, là je kiffe. C'est quoi la haine contre les taxis? Mais c'est que c'est pas les transports en commun les taxis. Ah oui, j'ai pas changé de jeu. J'avoue, j'ai oublié là, côté TikTok, excusez-moi. Hop, c'est Skylines 2. Vous avez vu, cette petite manipulation est très importante parce qu'en fait là on a deux voies de sortie. Et donc là on a quatre voies. Et du coup après, tu vois, on a les voies qui s'enlèvent petit à petit. Alors là c'est pas magnifique, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un bel échangeur. En vrai, ces nouvelles autoroutes là, elles sont incroyables. Et on peut faire des autoroutes à 8 voies. Ça, c'est pour les Américains, ça. C'est 1 ou 2, pourquoi tu joues plus loin? Désolé, fallait que je pose cette question de me manquer. Ça m'a l'air pour toi. Par contre, on peut arrêter d'avoir de la neige là. On va baisser un peu. On va baisser un peu la météo là. Pourquoi on n'a pas plus de degrés là? C'est pas le bon outil que j'utilise en fait, ça. J'ai deux outils de weather là. Water. Ah non, c'est water. Choose a custom time. Non, mais moi je veux juste une météo plus chaude pour arrêter de l'avoir de la neige là. Parce que là, si j'enlève, ça fait quoi? Ah, il fait 1 degré. Ah, ça va peut-être fondre. Ah, par contre, arrêtez avec les stations de sport d'hiver parce que vous m'avez posé la question 8 fois hier. Je vous rappelle, il n'y en a pas. Voilà. Merde. Bon Dieu. La Chine, surtout, l'autoroute à 8 voies emboutée depuis 4 jours. C'est vrai? Oh, stylé ça. Ok, donc là c'est good. Donc là c'est bon, ça circule mieux. Ah ouais, dès qu'il n'y a plus les taxis. Et je suis sûr que les trains... Ah non, pas tant. On pourrait rajouter des lignes de train d'ailleurs. On va faire un peu de train, tiens. Parce que là, on a une ligne qui va par là. Ok. Attends, on va regarder où on a des lignes. On a une ligne qui va là. Et je crois qu'on peut faire des lignes de train qui vont ailleurs. Hein. Et ben là, c'est la gare. Une gare centrale. L'attaque, mais il n'y a pas des lignes de train qui vont ailleurs là? Où est-ce qu'on voit des chemins de fer là? Attends, il y a bien des chemins de fer ailleurs, non? Des chemins de fer ailleurs. Où est-ce qu'on aurait du train là? Ah non, il n'y a pas d'autre train en fait. Donc on a déjà fait les deux connexions que vous pouvez faire? Ah ouais, je suis un peu deg. On va pas en rajouter une. Là, il n'y a pas du train là. Ah mais what the fuck? Ah mais c'est incroyable. La personne qui a fait la map, elle a fait la construction d'un échangeur. Ah, pas mal ça, ils ont laissé l'échangeur à faire. Ah mais non, mais
Attends, quoi? Mais ça sert à rien. Ah oui, mais c'est... Ah oui! Oh, oh la vache! Ah oui, les gars, ils sont... Ah oui, ils sont déter, hein. Il y a une route à 32 voies et 16 voies de chaque côté. Mais c'est des malades. Ah oui, donc là, on pourrait faire... Parce que cette autoroute, elle est connectée à rien. Attends, je regarde où elle va, celle-là. Tac, 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 tac. Ah si, elle est connectée là. Ah oui, elle passe là, ok. Mais elle passe pas... Ici, effectivement, un embranchement, ce serait pas bête. Parce que là, on a le train. Mais un embranchement qui nous amènerait... ouais, parce que là, en fait, là, quelqu'un qui vient d'ici... Attends. Quelqu'un... Attends, on va regarder sa trajectoire, lui. Il doit passer où, lui? Ah ouais, il doit faire tout le tour, là? Il va où, d'ailleurs? Il va jusque là, gna gna gna. Et après, il va là-bas. Mais si... Mais... Ah ouais, attends. Oh! Ah ouais, pour aller dans la ville, il faut faire tout ce tour-là? Imagine, pour aller là, il doit faire tout ça? Ah bah non, mais on va faire un autre échangeur, hein. Salut, c'est la pro, j'ai une question. Avec le mode des 8000 props, est-ce que tu arrives à mettre les props bitch? Car quand je relis ces props des routes, ils disparaissent chaque fois, j'ai l'impression qu'ils sont inutilisables. J'ai pas testé encore. J'ai pas testé ceux-là, je sais pas si je les ai. Les plages, je les ai, par contre, elles fonctionnent, oui. Les plages, elles fonctionnent, oui, oui. Les plages fonctionnent, oui. Jusqu'à ce qu'il aille plus, exactement. Alors on va faire un petit échangeur ici. Vas-y. On va regarder ce bout de route. Alors on va pousser tout ça, là. Tac. Et on va faire une route qui va passer comme ça et qui va aller se connecter. Bah. Ouais, si en vrai par là. Hein. Par là, ce serait pas bête. Hein. On va faire une autoroute qui passe. Mais j'aimerais bien faire l'autoroute un peu en hauteur. Alors attendez, on va faire le tracé de l'autoroute d'abord. Et après, on fera l'échangeur. Alors attends. On va essayer de mettre l'autoroute en 3 voies. 2 voies, 3 voies, 2 voies. 2 voies, ça peut être pas mal. TG. Deux voies, ça peut être pas mal. On va essayer de la mettre en parallèle. Et voilà, elle est un peu en hauteur, mais genre à 5 mètres d'altitude. Genre pas totalement en altitude, mais... Enfin, pas en hauteur, mais à 5 mètres, quoi. On va peut-être démarrer d'ici, histoire de pouvoir avoir la place de faire l'échangeur. Tac. Petite autoroute. Et on va la faire passer... plutôt la contourner ici et faire un autre échangeur ici. Voilà, je fais un embranchement, en fait. Voilà, nickel. Embranchement. Hop, hop. Voilà. Et comme ça, cet embranchement, il va permettre de connecter cette autoroute à cette partie-là de la ville. Ce qui est donc très important. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire comme échangeur? Est-ce qu'on fait un échangeur en T classique? Ou est-ce qu'on fait un truc un peu plus funky, funky lol? Comme on dit dans la street, hein, d'ailleurs. Bienvenue de ceux qui l'ont joué, bien sûr, faites Twitch que TikTok, comme d'habitude, on joue à Steeskines 2. J'espère que vous allez well, comme on dit. Je me mouche. Je suis désolé, ça revient le nez, là. D'ailleurs, sachez qu'en Chine, ils ont 85% du réseau de trains à grande vitesse au monde. Vous vous rendez compte? 85% du train à grande vitesse est chinois. Voilà. Non, mais c'est une petite anecdote comme ça. Je vous les donne, moi, je vous les donne en mille. Dès que j'ai des petites anecdotes, voilà, je vous les partage parce que, quand même, celle-là, elle est choucard. Hein. Pardon, je suis en train de mourir. Ok, alors on fait quoi comme échangeur? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme idée là? Qu'est-ce que vous m'avez laissé sur Discord qui peut m'intéresser? Parce que vous en mettez à l'appel, mais ils sont rarement très utilisables dans mes conditions. Alors, ça c'est trop compliqué, trop le bazar. Ça on a déjà fait. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal l'échangeur de Hugo là. Ouais, j'aime bien ça. Alors. On va essayer de tenter ça. Alors par contre c'est qu'on est sur un virage donc ça va être un peu galère mais bon ça se fait quand même. Il faudrait que je me le mette sous les yeux mais bon j'ai l'idée en tête. Bah après normalement c'est le plus grand pays du monde qui utilise le train à grande vitesse. Bah non parce que regarde les États-Unis, la Russie ils ont pas de train à grande vitesse. Pourtant c'est des pays plus grands que la Chine. Et je vais me le mettre sur mon tel comme ça là. Paf, comme ça j'ai un exemple en dessous de moi. Let's go. Alors petit échangeur. Donc il faut qu'on fasse 4 voies. On va se mettre à 10 de hauteur sans parallèle. Alors, on va essayer de faire un truc. Ici, on va passer comme ça. Ah non, mais en fait, 2 voies, ça suffit, je pense. Attends, est-ce que ça, c'est faisable? Devinez qui est le retour. Macron! Tac, ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Après, pardon, je suis vraiment en train de décéder. Littéralement. Ensuite, on va petit angle. Pas dégueulasse. Alors attends, il faudrait au moins les angles là. Voilà. Comme ceci. Voilà, bam.
On le descend un petit peu, 5 mètres. Et après, on va essayer de faire un petit move. Non, je voulais pas faire ça en fait. Tac, je voulais pas faire ça, je voulais faire ça comme ça. Attends, mais pourquoi il veut pas... Voilà. Hop, comme ça. Alors normalement, là, c'est d'une voix. Vous allez voir, l'échangeur est pas mal. L'échangeur est pas déconnant normalement. Tac, et là, on va aller faire un truc pas mal. Et qu'on va... Ah oui, mais alors, je sais pas si ça va marcher mon histoire là. On va peut-être plus de voix là. Voilà, on va tenter ça. Bon, je sais pas si ça va marcher. Est-ce qu'on peut faire... J'aimerais faire un truc. En fait, on revient comme ça. Ok, donc il faut peut-être un peu plus d'angle. Alors qu'on part d'un peu plus loin. Après, le virage est serré. Hein. Le virage est serré, tac. Et là, on prend ça. Non, dommage. Attendez, ça va être pas mal, je pense. Il faut que tu ailles chercher plus d'angle, mon pote. Ah, ça fait un virage un peu serré, là, quand même. Hein. Ah, j'aurais peut-être dû décaler un chouïa, là. Alors, attendez, on va essayer de prendre plus... Ouais, c'est vrai que c'est en virage, donc faut que je prenne un peu plus large, peut-être. Pour que ça fasse un truc bien. Après, les territoires des États-Unis et de la Russie se sont structurés par le train. Oh, mais il n'y a pas de train aux États-Unis. Hop, là, on arrive. Comme ça, ok. Tac, et là, on essaye de faire une petite sortie. Ouais, ça fait un virage serré quand même. Hein. Ça fait un virage serré et en même temps, quand je vois ce que je vois sous mes yeux là, je me dis oui, bah normal en fait. Enfin, c'est serré, mais c'est pas décollant quoi. Et là, on modifie comme ça. Paf. Ah non, mais en fait, deux voix ça suffit là. Ah oui, ça marche. Ça marche, faut juste. Ah oui, alors c'est juste le. Ça marche presque. Ça marche presque. Pardon. Attends, on va y arriver à faire un truc propre. J'aurais pas dû enlever en fait. Ben voilà. Voilà, nickel. Et là, tac, autoroute, bam. Et après, d'ailleurs, t'as fait une faute dans le titre, t'as écrit la circuit à la place de la circuit. Waouh. TG. Allez, petite blague au passage. Ok. Alors, c'est un peu un concept, hein, mais bon, why not? Et alors après, comment on fait? J'ai pas compris le bazar après là. Là, du coup, les gens ils font stack comme ça. Ça parle de F1. Non. Ah, bah oui, bah non, mais ici c'est bon. Et ensuite, tout simplement, Dan. On doit être à. Je sais pas combien on est à 5 mètres là. Et après, tout simplement, on va aller faire ça. Ah non, y a pas la largeur là. Ah non, ça pue duc. On peut pas faire ça là. Je veux faire ça, laisse-moi faire ça, je te dis. Là, y a pas moyen là. Y'a pas moyen là. Ah. Allez, pas ouf moyen quand même. Hein. J'ai eu mon TG. Aime toi. Ouais, comment on peut faire là? Si je mets 3 voix, peut-être. Je mets 3 voix. Ah oui, là ça marche. Ouais, mais là, si je remets en 2 voix, ça va plus marcher. Ah si, ça marche. Oh, ça fait un... Ouais, mais ça fait un angle dégueulasse. On n'a pas des routes plus petites là? Non, mais ce qu'on voit. Non, c'est les mêmes routes. Ouais, pas ouf, pas ouf. Et là, après, avec celle-là, on fait ça. Il m'a tout enlevé là. Non, c'est pas ça, c'est ça. Non, c'est toujours pas ça, c'est ça. Et quoi le... Ah voilà, ça. Ah, et là, on va aller chercher une entrée comme ça. Paf. Ah non, mais il y a une petite côte là qui est dégueulasse, j'ai pas vu. Ah oui, il y a une petite côte là qui est pas mal. Alors attends. Ah, attends. Salut, j'ai envie de tenter un truc en fait. En fait, je viens de changer d'idée. Je viens de changer d'idée instantanément. On va tenter un bail. On va faire un truc que j'avais pas prévu, mais on va quand même tenter un truc. On va tenter de connecter les deux ici. Alors attends, même en partant d'un chouïa plus loin, je pense que ça peut être mieux. Tac. On fait une belle autoroute, hein, pour ceux qui nous rejoignent, on fait un petit contournement. Voilà, ok. Ah non, ça marche pas. Ah, c'est pesant quand même, hein. Ouais, celle-là, il faut que je la fasse différemment, j'ai pas le choix, je crois. C'est pesant quand même, hein. Ok, et là, je peux faire ça ou pas?
Ok, bon, ça fait un petit truc dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Et là, on essaye de faire un petit... Non, pas du tout ça que je voulais faire. On aurait pu faire... Attends, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Je réfléchis, on peut faire une boucle comme ça. On peut faire une boucle qui redescend. Là, c'est un peu court, là. Donc non, c'est pas si court, en vrai, pour faire une descente, là. Vas-y, là, on peut faire un échangeur comme ça, en fait. Et là, on fait ça. Voilà. Ouais, bien, 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 bien. Et là, on repasse en une voie, finalement. Ah non, ça m'a fait de l'angle! Putain. Ok, c'est good. C'est good. Voilà, ok, c'est bon. Et maintenant, il faut qu'on fasse l'échangeur qui vient... Oups. Qui vient d'ici, et d'ailleurs. Et qui va se connecter ici. Oh oui, ça marche! Oh oui, ça marche! Pas mal! Ah, c'est dommage, c'est ce petite connexion là qui est un peu moche, mais malheureusement, je peux pas faire. Je peux pas faire beaucoup mieux ici, hein. C'est le jeu là qui veut pas. C'est celle-là qui me gêne en fait, moi. Là, j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus droite, mais. Et pourquoi il veut plus se connecter au truc là? Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau ça? Ah voilà, c'est celui-là en fait de bouton qu'il faut. Et connecte-toi! Mais non, mais t'es dessous là, crétin! Mais il veut plus prendre le point! Oh putain, c'est insupportable. Mais je sais plus ce qu'il fait. Bon, qu'est-ce qu'il fait que ça. Et quel truc? Ah, c'est celui-là, ok. Il n'y a pas moyen d'aller plus tout droit là? Ah, j'aurais bien aimé que ce soit tout droit. Le retour de l'angle, ouais, mais l'angle, moi, toujours, il m'agace. Hein. Ah, mais là, tu vois, ça se chevauche. Ou alors, faut mettre une voie là. C'est dommage, hein. Et là, si je mets qu'une petite voie, à la limite. Ouais, si, à la limite, c'est pas déconnant. Ouais, si, ça passe. C'est un peu bizarre, mais... Pas trop le choix, de toute façon, hein. Là, on met bien sûr une petite voie d'entrée. Alors là, qui va pas nous aller, du coup, évidemment. J'aurais dû la faire dès le début. Ok, la good. La petite voie d'entrée, enfin, de sortie, pour le coup, également. Voilà, parfait. Pas ouais, quasi parfait, on va dire. Pas parfait, du coup. Qu'est-ce qu'il y a à côté TikTok, là? Bah, pourquoi le live s'est terminé? Mais TikTok, c'est un délire, hein. Le live s'est coupé tout seul. C'est nouveau. Les voix d'insertion, tout de suite, ça rend plus réaliste. Ah oui, non, mais c'est clair. Les voix d'insertion, c'est beaucoup plus... Non, mais en vrai, dans Cities Skylines 1, elle manquait, hein, je suis d'accord. Aïe. C'est bon, le live, il a redémarré, là. Bon, j'ai pas compris. Et là, bam. Ah, mais là, tu vois, il veut pas prendre le point, là. Ah, voilà. Voilà, il veut pas... Il veut... Non, mais c'est... Par contre, autant les voies d'insertion, c'est cool, autant des fois, elles sont un peu buggées, quand même. Ok. Ouais. Et là, pareil, voies d'insertion, également, qui sont légèrement buggées, aussi. Chiant. TikTok, t'aimes pas. Ouais, non, TikTok me met là en ce moment, c'est un délire. Et tous les réseaux sociaux me détestent en ce moment. Je vous dis ça en toute honnêteté. Hein. Instagram, on fait pas de vues. YouTube, on fait pas de vues. TikTok, on fait pas de vues. Twitch, on fait pas de vues. C'est incompréhensible, ouais. Quand t'es créateur de contenu et que tu fais la même chose, ouais, essaye d'innover un peu de temps en temps les contenus, mais quand tu fais la même chose depuis, on va dire, un an, et d'un coup, t'as des phases où tu vas faire 5, bah, comme le mois de mai, par exemple, ou le mois d'avril, où on fait 2 millions sur YouTube, là, on fait à peine 900 000. Et TikTok, là, sur les deux dernières semaines, on a fait 100 000 vues, quoi. Donc c'est incompréhensible. Incompréhensible. C'est très frustrant, surtout. Et du coup, tu te dis, putain, c'est ma faute. Sinon, tu peux pas faire une voix de desserration, le visage est tellement sec en sortie de route. Là. Bah, après, la voix est longue, hein. La voix de décélération est longue, hein. Bah, c'est vrai que le visage est un peu sec, ouais. Bah, c'est pas que la paye, en vrai. C'est aussi le côté frustration, tu vois. Parce que tu te dis, merde, je fais tout ça et... bon, en fait, personne voit mes trucs, quoi. Alors que ça se trouve, ils ont du potentiel, mais... l'algorithme ne veut pas. Peut-être on va le faire un peu plus long. Attends, si j'arrive à faire un virage, là...
Ah mais j'ai pas trop le choix de faire une courbe. Ah peut-être un peu mieux comme ça. C'est un peu plus long. Ouais, la voie de desserration est un peu plus longue. Salut Doudou, bienvenue à toi. Je peux toujours pas reprendre le travail car j'ai le Covid. Oh la chance. Ouais, j'ai obligé de travailler. Ok, ça fait un petit échangeur un peu étonnant. Voilà, on a une espèce de patate, mais l'échangeur patate, on l'appelait comme ça. Ah non, il y a de l'angle là. Oh, il y a un tout petit angle là. Ah, vous le voyez là? Ah, je le hais. Merde, MDR, la chance. Eh oui. Tac, c'est bon, il n'y a plus d'angle. Il y a eu la chance d'avoir le Covid. Alors moi, je regrette de l'avoir, pour le coup. Je n'ai pas ça il y a un an, parce qu'un an, du coup, je n'allais pas au travail et je pouvais faire du TikTok, mais là... Alors là, on va faire un échange. Qu'est-ce qu'on fait là? Vous avez des idées? Il faut m'aider, hein. Qu'est-ce que vous mettez sur Discord là? Oh, n'importe quoi là. Oh. Oui, non, bazar. J'ai envie d'inventer un échangeur. Sous terre? Ouais, mais sous terre, pourquoi? Bah non, parce qu'on est en hauteur. Donc on arrive en hauteur, on va pas faire sous terre. Oula, attends, par contre. Dis-donc, ça va pas ça? Quoi cette histoire là? Là, ça va pas du tout là. Ah oui, non, là, ça va pas là. Là, on va faire un tunnel, non? Parce que, attends. T'as vu la pente que ça fait là? Là, j'avais pas vu. Non, c'est pas grave, t'inquiète. T'as vu la pente que ça fait là? C'est honteux. Eh oui, faut passer en tunnel, mon pote. Ouais. Ah, mais alors, du. Ah, attends. Donc là, on fait un petit tunnel. Et par contre, faut retrouver. Faut reconnecter au reste après, quoi. On n'a peut-être pas besoin d'être si haut. Attends, on va refaire la fin là. Tac. Grâce au Covid, j'ai perdu l'odorat et le goût durant 6 mois et aujourd'hui je suis resté à 75% de ce que j'avais. Ok. Bon, ça c'est moins drôle. Non mais attends, j'ai eu une perte d'odorat aussi. Ben, moi c'est revenu assez vite hein, par chance. Dès que la première fois que j'ai eu le Covid, j'ai perdu l'odorat pendant 2 mois aussi, ouais. C'était pas très marrant, ouais, j'avoue. Perdre l'odorat. En fait, c'est quand tu l'as jamais eu, bon, tu te dis. Bon, mais je vais pas dire que c'est moins perturbant, mais quand tu le perds, tu te rends compte que oui, c'est chiant. Mais c'est quoi ces boss là? Oula, ça m'a fait un bug en plus. Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il manque un bout d'autoroute là, du coup. Attends, on va le faire à la main. Team no Covid. Bah, il y a des gens qui sont juste pas sensibles, je pense. Que t'es obligé de l'avoir eu, hein, pour des raisons évidentes de contact. Il y a juste des gens qui doivent pas être réceptifs à ça. Moi, je le suis beaucoup, par exemple. Étant donné que c'est la cinquième fois que je l'ai. Qu'est-ce qu'on fait du coup là? On va faire une trompette comme des nulos? Bah, une belle trompette alors? Ah, une trompette comme ça? Bah c'est une trompette quoi. Allez, on peut faire une belle trompette. Non, lâche-moi toi. Un rond-point? Alors bah, un rond-point là, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Hein. Parce qu'on est... Enfin, ouais, bof d'intérêt rond-point ici. Plus sur une trompette, plus utile. La trompettiste. Alors, trompette, paf, on se met en une voie, là. Parallèle. Voilà. Non, mais reste en hauteur, mon petit pote. Là, on est à combien? 5 mètres? Ah oui, alors, faut qu'on enlève accroché à la surface d'un objet. Voilà. On se pète à 10 mètres pour passer sur la route, je pense. Parce que là, on passe pas, là. Allez, on passe pas, c'est ça, faut 10 mètres. Aucune période d'aura pendant mon Covid. Était fatiguant, j'ai marché 1 minute, j'étais essoufflé comme si j'avais un marathon. Moi, bon, la première fois que j'ai eu perdu autour à goût. J'étais essoufflé également, j'avais plus de poumons alors je faisais vraiment beaucoup de sport. J'ai eu le nez, la gorge prise et puis la fièvre. Et l'année dernière, j'ai pas eu le goût et l'odorat, mais par contre, j'ai été sacrément malade. Hein. Pour ceux qui se souviennent, en mai l'année dernière, là, les streams, c'était un enfer. Salut Aimé ABL, ça fait longtemps que je suis pas venu, ça fait plaisir. Bah, ça fait grave plaisir, bienvenue à toi, comment tu vas? Paf, hop, et là, on fait petite. Alors, attends, comment on fait déjà? Moi, avec tout le goût de moisi, horrible. Moi, c'était une odeur de fumée. Tout avait odeur de fumée. C'est un plaisir aussi. Alors, attends. On va essayer de faire un truc, 35 mètres. Sur 35 mètres. Ah, 35 mètres, c'est peut-être pas suffisant. On va essayer de faire peut-être 40. Voilà, 40. 40. Sur 90 degrés, 40. Ah, trop proche. Ah, quoique. Ah, si, un tout petit peu trop proche. On fasse un chouïa plus long, là. Donc on va faire on va faire 50, hein, tu sais quoi. Non, mais non, là, faut qu'on fasse peut-être juste plus long, en fait. On rajoute 20 mètres, là. Et là, on refait 40. Voilà, pas mal. Alors, je dis pas des chiffres au pif, hein.
La super et toi, ça va. Ça va, ça va. J'ai faim. Non, ça va. Quoi, pente trop raide? Hein? Et pourquoi on monte encore là? Paf. Voilà, et là on refait la même chose. 90 degrés. Paf. 45 mètres, 40 mètres. Voilà. Paf. Nickel. Ah oui, on a, j'avais pas vu qu'on arrivait sur une espèce de montée. Et là, on va faire classiquement un petit truc comme ça. Hop, voilà, nickel. Et là, on va essayer de faire la même chose en partant d'ici. Et là, c'est toujours l'angle qui est compliqué à aller chercher. Ah, il est compliqué à chercher cet angle-là. Il est compliqué. On va peut-être le prendre dans l'autre sens, l'angle. Comme ça. Non, pas comme ça. Mais pourquoi on est si haut déjà? Ah ouais, on est pas mal haut là, j'avais pas fait gaffe. Attends, on va baisser le point à la limite. Voilà, comme ça on sera un peu moins haut. C'est une trompette, non? Comme mon nez, d'air. Ouais, c'est une trompette, mais c'est sérieux, c'est une trompette. Et là, on va aller chercher plus comme ça. Voilà. Un peu long comme trompette, mais ça me va, moi. Voilà, hop, petite trompette au câble. Très classique, hein. Bon là, j'ai pas monté la courbe, la machine à courber les bananes, hein. Là, je suis vraiment du simpliste, hein. Un trombone, oui, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Et puis après, après de là, normalement, on est censé faire ça, quoi. Hop, voilà. Et là, pareil. On va donner un peu plus d'angle. Voilà. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est simple, c'est efficace. Alors, on peut lui rajouter des petites features. Pour terminer, histoire de le pimper un peu, on va pimper, pimp my ride. On va pimper un peu le bazar, là. Tac. Voilà, là on le pimpe un peu aussi. Hop. Et puis voilà. Pas mal. Nickel, ça c'est un beau petit échangeur là. Ah, il y a juste là, il y a un tout petit peu de hauteur là. Voilà, superbe. Bah, on rajoute bien sûr les entrées sorties d'autoroute parce que sinon c'est pas marrant. Il nous faut, alors attends. Ici, je vois pas ce que je fais par contre, c'est top. Je vois rien du tout là. On va faire à l'œil. Voilà. C'est ça. Attends, mais ça veut pas du tout là. Ah, ils peuvent tourner à gauche. Non, mais vous êtes malade. Vous n'allez pas tourner à gauche. Ok. Ah oui, l'entrée est un peu courte là. Aïe, chance. C'est affreux l'affichage en blanc. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas expliquer. J'arrive pas à connecter là. Attends, donne-moi un peu moins d'angle. Ah non, ça fait un angle pas ouf là. Ça fait un truc pas terrible là. Si j'améliore... si j'améliore tout ça, ça va faire trop là. Attends, on va quand même tenter un truc. Hop, on va faire une vraie voie d'insertion. Ok, et là on remet... on remet comme c'était en fait. Ah là, ça fait une voie d'insertion. Ok, let's go. Et là, pareil, il faut qu'on mette du bon côté. Et là, pareil, là, c'est toujours le même petit problème. Là, les autoroutes, elles se connectent pas bien, c'est dommage. Hein. C'est dommage, t'es obligé de te galérer la kick, j'ai envie de dire. Et là, je peux pas partir de... Voilà. Non, mais quoi? Mais pourquoi? Pourquoi je peux pas partir de là? Il y a pas de point, là? Si, pourtant, il y a un point. Et pourquoi les gens, ils veulent tourner à gauche, là? C'est n'importe quoi, ça. On est pas aux États-Unis ici. Ok, et là... Ah oui, donc là aussi, il faut qu'on mette 5 voies. Ok, là, pareil, ça se fait moyen. Hein. Et là, pareil, histoire de terminer. Voilà. Ah, chacune, elles font tout chier. Hein. Oh là! Il m'a tout coupé, celui-là. Ok, là c'est bon. Non, ça a pas. Ah oui, ça a pas construit parce que ça save en même temps. Voilà, là c'est good. Là, pourquoi ils veulent tourner à gauche? On est chez les fous là. Voilà, impeccable. C'est mieux. Et il y a que celle-là qui est un peu moins bien foutue. Mais là, alors là, pour la faire mieux, celle-là, ça va être galère. En plus, on est sous un tunnel là. Sous un pont, pardon. Et bah si, c'est bon. Vas-y, un tout petit peu d'angle. Il y a de l'angle là. Non, il y a trop d'angle là. C'est honteux. Ah purée, je sais pas comment le corriger celui-là. Ah, pas mal. Et ben voilà, c'est propre.
Ils sont fous à Léa Flelou. Ah, mais ils sont malades, Léa Flelou. C'est des mecs givrés. C'est pas mal. Ok, alors normalement, tout est bon là. On va voir ce que ça donne. Donc en fait, je vous rappelle l'objectif de cette bretelle d'autoroute, c'était de connecter cette autoroute là à cette autoroute là pour éviter que les gens fassent tout le tour de la map. Voilà. Et donc là, maintenant, ils peuvent passer directement par cette petite autoroute. Inauguration, bien sûr. Dès maintenant, il y a de l'angle là. Un tout petit peu d'angle là. Ah, il gâche tout. Oh, ça m'a fait une fracture du... J'ai fracturé l'autoroute. Ah bah ça fait une plaque. Ah oui, ça fait une petite pente de con, là. Ça me va pas, ça. Attends. Ça me va pas. Moi, je veux de la perfection, en fait. Comme Gillette. Ah, mais c'est chiant, là. Ça accroche quoi de qui, là? J'aurais pas dû l'enlever. Putain, je regrette. C'est bon. Ok, c'est bon. Bonne soirée, Tanaouche. Et à la semaine prochaine, effectivement. Je vous rappelle, la dernière rediff du Douy, je vous le rappelle, sera disponible demain sur YouTube. Et ensuite, vous aurez les rediffs de City Skylines 2 à partir de vendredi. Et puis, il y en aura une ce week-end. Et je mettrai peut-être les rediffs de Microsoft Flight Simulator aussi. Alors, que de la partie décollage-atterrissage, parce que le vol, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais voilà, je vous mettrai ça. Pour ceux qui veulent voir un peu de MFSF, mais MSFS, comme on dit. Bref, bienvenue à tous ceux qui l'ont joué. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et bon courage à ceux qui passent brevet, bac, également, cette fin de semaine. Voilà. Et on a la neige qui revient. Je peux enlever mon téléphone, c'est bon maintenant. En parlant de Gillette, c'est quand qu'il t'appelle pour te proposer une sponsor gaming? Gillette? Oh, moi, je pense que je refuse. Parce que j'avoue, je serais pas... je suis chaud pour des sponsoring, mais de certains trucs, quoi. Enfin, il y a des certains trucs que je serais prêt à refuser. Genre des trucs dans lesquels je m'identifie pas ou qui sont pas dans ma... On va dire... Comment on peut dire ça? Qui sont... Genre, par exemple, si Coca-Cola il me proposait, je dirais littéralement non, ça c'est sûr. Il y a des marques, je suis pas prêt de bosser avec elles, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas, en fait. De nouveau, la pluie, là? La neige, là? C'est chiant, en fait. On peut avoir du beau temps là-haut. C'est où déjà? Electricity and Water. Non, c'est pas ça. Weather and Climate. Température. Voilà. Tac. Parce que en vrai, il y a des marques. Tu vois, je suis pas prêt à vendre ma chaîne pour des marques, quoi. En vrai, je m'en fiche. Hein. Moi, je préfère bosser avec des trucs dans lesquels je crois et qui sont comme ma façon de penser. Que bosser avec des marques random qui sont. Pas bonne pour notre santé et la planète, quoi. Tu vois, genre, tous ceux qui font de la pub pour Oli, là, bon, je sais qu'il faut bien manger, mais quand même. Le Oli, à mon avis, c'est bien de la merde. Hein. Non, mais pardon, peut-être je sais pas, hein, peut-être je m'avance, hein, mais... Crois bof, comme. Voilà. Donc, 28 000 habitants. Donc, la circulation, déjà, on a fait une nouvelle autoroute. On a refait cette petite bretelle-là. Est-ce qu'on ferait pas une deuxième ligne de bus, maintenant? Je sais pas si mon oral de brevet ce matin, c'est bien passé. On ferait bien une deuxième ligne de bus, je pense que ça peut être pas mal. La première marche pas mal. Oh, le train marche bien, 300 passagers bientôt. Eh ouais, c'est bien ça. 47 passagers ici. Ah, c'est bien, fais voir celui-là, là. Il est où? Ah, par contre, les lignes de train, il y a beaucoup trop de virages, par contre. Le modeur, par contre, il est pas très doué en train. Le reste, c'est quali, hein. Mais j'avoue, les voies ferrées, c'est beaucoup trop sinueux. Hein. Même ça, là. Ah, ça, c'est moi qui l'ai fait, pardon. Du coup, la gare, elle repart pas dans l'autre sens. Bah, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Parce que j'ai pas prévu, ouais. Pour l'instant, non, ouais. Alors, à la base, j'avais enterré les voies de train pour pouvoir passer la route par-dessus, mais j'ai fini par mettre la route en hauteur, donc finalement, ça sert à rien. Je suis le seul à avoir eu 18,5 au bac en maths. Ah oui, parce que moi, j'ai vraiment eu 5. Bien. Salut, Yanis. Ouais, il y a des... Ouais. Mais ça circule bien, là, hein. Et c'était une bonne idée ce petit passage là. Limite il faudrait qu'on fasse éviter le rond-point aussi au camion. On va faire un contournement de contournement en fait. Ouais. Ouais. Il va falloir qu'on fasse différemment là. En fait j'aurais dû faire un échangeur plutôt que de faire ce bordel là. Tant pis. Donc ligne de bus. Il y a le place où déjà ma ligne de bus.
Parce qu'on a une ligne de bus qui dessert pas un quartier, qui est pas du tout desservi. Pour l'instant, on a une ligne de bus, donc c'est la ligne rouge, qui fait toute cette partie-là, qui passe ici par le pont, le quartier ici, la gare et la zone co. La zone co. Et il faudrait qu'on fasse passer un petit bus, peut-être, qui partirait d'ici. Qui passerait pourquoi pas dans ces... Alors qu'il faudrait qu'il passe à la gare aussi, ce serait pas mal. Qu'il passe à la gare et après qu'il redescende pourquoi pas dans ce quartier là. Ouais, je sais pas trop là. Qui aille jusqu'au canot là. Pas sur les canaux mais jusqu'au canot. Salut Gabi, bienvenue à toi, comment ça va? Ouais, on va faire ça. Ligne de bus. Ah, il est bouchon en plus. Bah, il faut une ligne de bus. Allez. Allez. Hop là, pardon, parce que moi j'ai sifflé fort. Ligne de bus. Alors par contre, on a fait aucune route qui peut accueillir des lignes de bus, on est bien d'accord avec ça? Ah si! Celle-là, oui. Mais pas les autres. Couillon que je suis. Ça, c'est two lane. Attends, c'est quoi la route qu'on a mis là? C'est quoi cette route là avec, avec 4 voies? On l'a pas ça, nous? C'est quoi cette route avec 4 voies? Elle vient d'où, celle-là? La rue Sheffield, là. Route avec 4 voies. Mais c'est pas celle-là? Ah si, c'est celle-là? Ah bah si! Ah bah let's go! Alors attends, on va la mettre ou on va faire passer le bus? Perso, je suis en vacances depuis un mois, vive la fac et les partiels. Ah bah oui, ça c'est clair. Mais tu bosses cet été ou non? Tu t'en profites pour chiller un max? Ouais, j'avoue, quand j'étais à la fac, tu finis les partiels généralement mi-mai. Généralement c'est ça, en licence, en master c'est plus tard, mais en licence c'était ça. Et après je faisais un mois de vacances. Alors je faisais pas grand-chose, j'avais pas de thunes. Et après, deux mois de job d'été. Deux mois et demi. Bon, ouais, c'était bien quand même, le petit mois de détente entre les deux. C'était quand même cool. Donc, on fait passer le bus. On le fait partir de là, tac, comme ça. Il va passer là au milieu. Quoique, j'aurais préféré le faire... Ouais, non, si, on va faire passer là. Ah, quoi que faire passer là. Ici. Le faire monter ici, passer devant la gare, et après repartir par là. Moi j'espère que ça ira mieux bientôt. Ouais, c'est à moi que j'ai commencé le jeu et j'arrive pas à un dixième de ton niveau. Mais attends, tu rigoles! Moi j'ai 1500 heures de jeu aussi sur le 1. Donc le 2 c'est normal. C'est normal, ce serait honteux si j'étais nul. Alors, par contre, ça va être de détruire des baraques ce que je fais là, mais c'est pas grave. T'en fous des baraques. Tac, on le fait passer là ensuite, ici, et là on le fait passer dans la grande allée. La grande allée est pleine de statues. Et la grande allée, on va juste ajouter des voies de bus comme ça. Voilà. Let's go. Ah, sont pas mal ces routes là. Ah, je les kiffe. Ah, vas-y. Devenu fou aujourd'hui. Hop. Et là, on fait partir la ligne de bus par ici. Elle est vraiment bien cette route. Hein. Attends, on a du 6 voies là. Ah, trop gros, dommage. Charge élevée détectée sur ordinateur, découvre comment la réduire. Mais ta gueule, TikTok là. Laisse-moi tranquille. Fais-moi des vues plutôt. M'en fous de tes conseils là. Hop, voilà, impeccable. Il y en a qui passent le bac cette année, ouais. Mais non, je déconne, MDR, moi c'est rattrapage là. Eh ben courage à toi. Si mon frère a eu le bac, crois-moi, tout le monde peut avoir le bac. J'espère qu'il écoute pas. Et ensuite, on fait passer où? Ah, j'aurais bien fait passer là, mais alors ça va faire une mini-route là. Bon, c'est pas grave, ouais. Et après, on le fait passer là, ouais, on va le faire passer là après. Tac, en plus, je crois qu'il y a une université ou un collège ou je sais pas quoi là. Jusque là et après l'amener jusque là-bas là, genre là hop, et on l'arrête ici à peu près. Ok, donc ligne de bus. Bon, il va passer dans les petites ruelles par contre, hein, le bus, hein. Tant pis, hein. Ah ouais, là ça fait pas un truc direct. Tant pis, on va le faire aller jusque là, je pense. Ouais, jusque là même en vrai, jusque là. Tac, voilà. Faut que je me mouche encore, hein. Ça fait 10 ans tout pile cette année que j'ai passé le bac. Là, il y a 10 ans, je passais le bac. Ah ouais. Quand que tu te moustiques? Non, c'est non. Ça fait 10 ans que j'ai passé le bac, déjà. La belle époque, hein. 17 ans SCH? Ah ouais, la date, hein. Eh, ça nous rajeunit pas, hein. Ça fait 10 ans que j'ai passé le bac. Ah, mais vous êtes jeunes, là, vous êtes des jeunes. Ouais, pareil, 10 ans aussi, pour le même âge. Alors, petit arrêt de bus.
Et pareil, je comprends pourquoi ça se met en blanc quand tu mets des arrêts de bus, parce qu'on voit pas en fait où tu les mets. C'est un peu bête ça aussi. Tac, tac, là. Arrêt ici. Hop, après on a dit qu'on la faisait passer où la ligne? Je sais plus. Ah oui, là. C'est un petit arrêt. Ah, pas là? Ah, faut me mettre qu'un petit panneau là. Ok. Nous, on est la meilleure génération, c'est titre. Ouais, je sais pas si on est la meilleure, mais. Je sais pas s'il y a un meilleur ou. Ouais, tu dis ça en rigolant, mais moi je suis très premier degré. Ouais, on est une bonne génération, ouais. Après, on est des connards, hein, mais. Ouais, non, je pense que nous, on est un peu dans le monde professionnel, on est moins casse-couilles que les millennials. Je pense. Après, moi, j'en fais pas les. Pas vraiment. Moi, je reconnais pas trop dans ma génération, tu vois, pour le coup. J'étais vraiment pas du tout comme mes potes et tout. Je me suis toujours senti un peu à part dans ma génération. C'est pour ça que je suis devenu streamer d'ailleurs. Non, pas du tout. Abribus. Tout le monde sont des connards en soi. Ouais, c'est vrai. Ils sont très proches entre eux, certains Abribus. Ouais, je me suis peut-être un peu. Et là, ça va être le début. Ah ouais, j'en ai peut-être mis un peu trop là. Genre ceux-là, à mon avis, pas nécessaire. Tac. Ouais, soyez pas contents. Surtout. Ah, et pareil là aussi. Ah non, ça c'est pas le même, pas la même ligne. Là pareil, ouais, ceux-là ils sont peut-être pas nécessaires non plus, parce qu'après ça va nous faire des bouchons de bus. Ouais, même ceux-là en vrai, ceux-là ils servent à rien. Hop, voilà. Du coup, on est casanier. Eh oui. Tu as refait des polders? C'est quoi des polders? On a passé la même année du coup, disons aussi avec redoublement. Ah non, moi j'ai pas redoublé, j'ai tout fait d'une traite. J'étais pas très bon, mais j'ai tout fait d'une traite. Ça c'est vrai. J'avoue, j'étais nul, mais j'ai tout fait d'une traite. Tu sais, moi, j'ai mon bac avec 10-10 et tout, à la kick, hein, comme on dit. Mais, non. J'ai pas connu le franc. Ah bah oui, t'es une millennial, toi, parce que t'as eu le bac à deux... Non, t'as eu le bac... Ah non, t'es en licence, c'est ça que tu disais. Bah, si t'es... Ouais. Polder avancé de terre dans l'eau. Ah, je sais pas que ça s'appelle comme ça. Moi, casanier x 1000 aussi. Moi, c'est pas tellement casanier, parce que c'est juste que j'aime pas sortir, quoi. T'es en mode européen ou américain. Un peu un mélange des deux, en vrai, les pays nordiques, je trouve qu'ils font un peu un mélange des deux. Les grandes villes nordiques, c'est très fort, j'ai le droit de flex, j'ai eu la mention très bien. Je suis en licence, je suis une 2003. Ouais, 21 ans. Ah oui. Ah oui. En licence de quoi? C'est pas indiscret. Ça étudie quoi dans le chat, là? Ceux qui sont en licence, en fac, là, vous faites quoi de beau? Vous voulez faire quoi de beau aussi, ensuite, après? Donc, petite ligne de bus. Alors, elle part donc de là. Paf. Merde, pas là, non, pas ça. Là. 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 Attends, on va mettre en pause parce que sinon il va me lancer avec 800 bus là. Là. J'arrive pas à installer Unity sur CS2. Mais pourquoi tu veux installer Unity? T'as rien. Hop. Hop. Team 96. Ah ouais, mais il y a du 96 ici là. Belle époque. Bah c'est notre époque ça. C'est la belle époque ça. Tac, bus ici. Et là on refait passer le bus là après. Voilà. Oh, ça fait une belle ligne de bus en vrai. Il y a juste des endroits où elle passe sur des voies où il y aura des voitures en plus, mais bon, ça c'est la vie. Hein. Et là, on va la faire partir dans l'autre sens. Ah, par contre, elle va faire demi-tour vachement loin. Faudrait qu'on mette un rond-point là. On va mettre un rond-point pour les bus. Hop, tac. Licence d'anglais, langue, littérature et culture étrangère. Ah ouais, LEA, c'est ça non? Non, c'est pas ça? Attends. Et comment ça s'appelait? Ça a peut-être changé de nom, hein, cela dit. Hein. Oh, bah, à mon époque, c'était un peu pareil, moi. Tac. 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 Langue étrangère appliquée, moi je me souviens ça s'appelait comme ça. Les études, je commençais à travailler à 19 ans. Non mais après je dis études, je prends pour ceux qui sont en études. Pour ceux qui bossent. Bon, hein. Tac, parfait. Et donc là, on va mettre un petit rond-point. Nope, c'est LCEA et LEA c'est autre chose. Ok, my bad, j'ai confondu les deux. Allez, petit rond-point avec des arbres. Non, pas des palmiers, comme ça. Voilà, nickel, impeccable. Comme ça, notre bus il fait demi-tour là. Voilà, super. Voilà, une belle ligne de bus qui connecte en plus à la gare et à l'autre ligne de bus, donc c'est top. Combien on va mettre de bus dessus? C'est quoi la ligne de bus 1? Elle sert à quoi, elle? Elle est où? On va même pas où aller, cette ligne de bus, là. Ah, mais c'est la... C'est la navette. Ok. J'ai passé le permis PL en avant gagnant, bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous faire un récap des modes que tu as installés? Alors, allez voir la rediffusion 1 que j'ai faite sur YouTube. Vous avez la plupart des modes que j'ai. J'avais tout montré au début. Live. Ok, combien on met de bus? On va en mettre. On va en lancer 5 par 5, je pense. Ouais, là, 5 par 5, let's go. Et là, t'as deux langues, il y a de l'économie du droit, alors que LCE, c'est plus littérature, de la grammaire, de la civilisation. Ok. Ok, j'avais pas la nuance. En jaune, c'est moche. En jaune, c'est moche? Oh, vous êtes chiant. En bleu? Et bus bleu. On met des gros bus. Hop.
En tout cas, j'ai pas envie d'y retourner à l'école, sachant que j'en ai bouffé avec la médecine. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, mais après, après l'école, quand t'es plus vieux... Non, Cities Skylines 2, il sort pas sur PS4, pour répondre côté TikTok, là. J'avoue, les études, après, c'est différent quand t'es plus vieux, parce que tu les choisis, généralement. Enfin, tu choisis de faire un truc pour que tu sais qu'il va te plaire, quoi. Moi, je sais que, par exemple, j'aimerais bien faire une formation barista ou des trucs comme ça. Bon, après, c'est 5 jours, hein, donc c'est pas non plus hyper long, mais... Mais tu le choisis et tu sais que c'est pour faire un truc cool, quoi. Tu vas passer par ta ville natale récemment ? Bah, j'y vais littéralement samedi, pour tout te dire. Voilà, j'y passe le week-end. Donc, ouais, non, mais je rentre pas souvent, parce que c'est loin de chez moi, hein, 5 heures de route, là. Bon allez, je reviens, je suis dans 10 minutes, ouais, ça marche, pas de soucis. Bah après, on va bientôt s'arrêter, je pense. C'est bon, les bus là ? Alors, ils sont lancés, les autobus jaunes ? Les bus bleus, pardon ? Est-ce qu'il y a du monde aux arrêts ? Toi, tu pousserais pas jusqu'à Lyon ou Chambé, mais ça fait loin juste pour un café ? Ah ouais, non, là, j'avoue... Alors, j'avoue déjà que le temps est compté. Donc, j'avoue, bof prévu, ouais. Ah, mais il y a des feux, là ? Ah oui, par contre, on enlève les feux, là. Tac. Ah oui, du coup, ça met des feux. Ah ouais, non, ça, c'est relou, par contre. C'est le team en ce moment sur mon laser. C'est le temps. Ah ouais, au bout, moi, c'est le temps. Ouais. Eh, ça empêchera pas de dormir, moi, ça. Ouais, t'inquiète, je sais mon ambiance du week-end flemme. Ah oui. Bon, bah, t'inquiète, moi, je vais pas faire grand-chose. Hein. De toute façon, hein. Les 24 heures du Mans, déjà. Circuit. C'est bon, il y a pas d'autres feux, là. Ah si, là, du coup, ça nous a ajouté des feux un peu partout, là. Là aussi, non. Eh oui. Y'a pas assez de parking. Tu crois qu'il y a pas assez de parking ? Comment tu vois ça ? Bah si, ça va, hein. Si, on est bon en parking. Bah les gens se plaignent pas, hein. Non, c'est bon, on est bon en parking, là. Bah je sais que je peux faire des parkings en hauteur, mais non, on est bon en parking, là. On a déjà mis pas mal dans la ville, hein. Tu vois, ils sont, la plupart sont vides. Donc c'est qu'a priori, s'ils sont vides, c'est qu'il y en a assez, hein. Mais j'en ai marre, là. Va-t-il au Press Club ? Non, jamais de la vie. Je suis jamais allé en boîte de ma vie. Non, non, mais moi, je vous dis, je suis très loin de ma génération. Hein. Quand je vous dis que j'aime pas du tout très éloigné de comment fonctionne ma génération, je rigolais pas. Hein. Je suis jamais allé en boîte. Il y a bien un endroit où tu me trouveras pas, c'est là-bas. Oh, le monde qu'il y a, là ! Ah ouais, il y a pas assez de bus. Hein. Bah voilà, ils sont trop petits, les bus, là. Il faudrait qu'on change les bus. Il faudrait qu'on mette des bus plus grands. Ah oui, là, par contre, les parkings de la gare sont pleins, ouais. Ah oui, par contre, les parkings de la gare, 318 véhicules. Et là, c'est plein un peu. Eh, là, il y a du véhicule, là. Oh, bah, du. On pourrait pas mettre un... Ah, mais il y a un parking, là. Ah, mais celui-là aussi, il est plein. Ah ouais, donc ça manque de place à la gare, hein. Faut qu'on rajoute des places à la gare, ça veut dire. Moi, j'ai fait des études de paysagisme et j'ai la flemme de continuer. Je vais faire comme tout le monde de mes 4 et devenir streamer, revenir à Patreon pour gagner encore plus. Eh ben, mon gars, t'as pas le cul sorti du sable, hein. Je te lis tout de suite. T'as pas le cul sorti du sable, hein, parce que crois-moi, si t'arrives à gagner ta vie en étant streamer, bon courage. Parking à étage, tu peux pas. Non, mais c'est bon, j'en ai pas vu, on a un autre là. Mais ceux-là, ils sont pas pleins, donc c'est bon. Là, celui qui veut, aujourd'hui, il se lance en ayant zéro communauté dans le streaming pour devenir, pour en faire son métier, impossible. Quasiment impossible, j'ai envie de dire. Quasi impossible. Non, mais je suis honnête, hein. Moi, déjà, quand je vois comment je galère, et déjà, bon, je suis pas sûr de réussir à en vivre totalement un jour. Alors là, si tu commences maintenant ou c'est encore plus tard. Salut SLR, comment ça va? C'est quasi impossible. Bon, je pense que tu rigolais, hein, mais. Ouais, si, t'arriveras peut-être à gagner 100-200 balles, quoi. Bah, bon courage pour manger. Hein. Alors, c'est bon là? Les bus bleus là, ils sont où? Ils sont répartis? Ou ils sont tous au même endroit? Ah, il y en a un autre là. Ah, il y a de la demande, hein. Il y a de la demande. Allez, il est où, c'est arrivé, là, déjà. Ah, il est là, ok. Et du coup, on peut en rajouter 5 de plus, maintenant, qu'on en a déjà mis. Alors, tac. Le jeu commence déjà à laguer, ça m'inquiète. On va en mettre 2 de plus. On va les mettre tranquillement 2 par 2, histoire qu'ils se coincent pas dans les bouchons. Voilà. Est-ce que ça va baisser la circulation? On va voir. On était à combien tout à l'heure? Ah, on baisse, hein. On a perdu 10% de circuit, quand même, hein. On n'est pas si bien que ça. Après, on va attendre que les bus fassent leur petit effet. Et dans ce quartier-là, il y a un bus. Mais bon, en vrai, ça suffit. Hein.
Perso, ça me dégoûte les filles qui montent leur forme pour faire des vues, c'est aberrant, alors que d'autres petits streamers youtubeurs méritent beaucoup plus. Ouais, mais bon, écoute, ça c'est le jeu. Hein. Après, on peut stream autre chose que du jeu, non? Ah, tu peux stream ce que tu veux! Ah, tant que ça reste dans le respect des règles, mais bon, bon courage malgré tout. Hein. Parce que c'est pas bien. Hein. Même autre chose, je vois pas. Tu peux tenter des trucs après, mais. En fait, faut tenter des trucs innovants quoi, de nos jours. Sauf que innover de nos jours où il y a beaucoup de créateurs, c'est compliqué. Il y a des modes créatifs sur le jeu avec argent illimité et autres, oui. Un bac à sable, oui, tout à fait. 6% de chômage? Ah, quand même! De quoi ils se plaignent les gens? Ah, la criminalité a bien baissé depuis hier, let's go! Ça c'est bien, on est passé à moins 3, on était à moins 8 hier. Donc ça veut dire que nos politiques sont efficaces. Comme quoi, il n'y a pas besoin non plus de virer tout le monde de la ville là. Juste mettre des petits commissariats à des endroits. Et une prison. Et la prison, il y a du monde ou pas d'ailleurs? Manque de main-d'œuvre hautement qualifiée? Ah oui, c'est emmerdant ça. 5 employés, combien on a que? On a 53 personnes en tôle! Ah oui. Par contre, du coup, on manque d'employés qualifiés, mais est-ce qu'on a des au niveau études? Ah oui, on n'a pas d'université, en fait! Eh oui! Et oui! Un stream logiciel pas coffee sur la personne sur le créneau. Oh, crois-moi, il y a déjà des gens qui font ça. Hein. En fait, le truc, c'est que tu dis j'ai une idée nouvelle, mais... Généralement, t'as une idée nouvelle, il y a déjà 8 personnes qui l'ont faite, quoi. Et elles ont généralement pas marché, parce que bah, y a des trucs où c'est pas possible de marcher. Ouais, je pourrais être avec vous, hein, Stiskines, c'est compliqué de réussir à faire que ça, hein. C'est pour ça que j'essaye d'aller vers d'autres directions, malheureusement ça marche pas. Mais oui, mais il y a des niches, mais va réussir. Moi, je suis déjà sur une niche, hein, en vrai. Mais déjà, quand je vois la galère que c'est de dégager un salaire en étant sur une niche, pas si niche que ça, parce que quand même le Steam Builder ça attire un peu, bah c'est un enfer. Alors j'imagine même pas sur les trucs. En fait, c'est partant de rien qui est dur. Parce que les gens qui arrivent sur Twitch et qui ont déjà 50 000 ou 100 000 ou 200 000 abonnés sur YouTube, c'est facile. Mais quand t'arrives de zéro, c'est quasi impossible. Quasi impossible. Moi, j'en ai vu plein hein, qui ont commencé en même temps que moi et qui sont toujours à 1000 abonnés et qui font des lives à 10 personnes. Hein. Déjà 10, c'est bien, ouais. Hein. Je dis pas que je suis un exemple. Hein. Après, moi, j'ai bossé énormément. Hein. Surtout, ce qu'il faut, c'est être là tout le temps, quoi. Salut, Probix, comment ça va? Qu'est-ce que je voulais faire? Je parle. Ah oui, je voulais mettre une université. Mais une petite. Ah, mais ça, elle est trop grosse. Bigro University, ça c'est bien ça. On a déjà un petit truc là, non? On va en mettre une deuxième à côté, la limite. J'aurais bien mis à côté, là. J'aurais bien fait un petit quartier d'éducation. Mais ça, en vrai, c'est gros pour un lycée, mais bon. J'aurais bien mis une université par là, à la limite, à la place de ces bâtiments-là. Mais ça, c'est vide aussi. Pas d'accès piéton, mais ça veut dire quoi? Attends, on va le raser, lui. Ah, mais non, c'est des bâtiments en dessous qui n'ont pas d'accès piéton. Attends. Enlève-moi tout ça, là. Voilà. C'est par exemple, c'est pas trop streamé, je crois. Ouais, mais parce que tout le monde s'en fout, ouais. Et là, on va mettre un petit université. Est-ce que ça passe, là? Oui, ça passe. Ça fait combien de places, ça? Ah, mais 300 places? C'est suffisant, nous, hein. 150? Mais ouais, c'est pas mal, ça. Mais attends, on peut en mettre plusieurs, des bâtiments comme ça. Oh, ça fait une belle petite université d'époque! Ça, c'est une université, ça? Ah ouais, pas mal. Ah, alors attends, si on les met à la même hauteur, il y a peut-être moyen de tenter un truc, hein. Tu vois? Bah, alors, par contre, le terrain est pas plat du tout. Là. Attends, je vais aplanir le terrain. Aplanis-moi le terrain, mon grand. Sur LinkedIn? Oh, bah, les gars. Vous êtes fous, eux. Hop. Pas mal, ces petits bâtiments, là. Mais pourquoi ça se met pas à la même hauteur? Ah, mais parce que la route est pas à la même hauteur. Putain. Attends. Mais bon, il y a des arbres dessous aussi, là. Mais c'est quoi ce bordel? Attends, on va refaire la route, à la limite. Paf. Voilà. Là, normalement, c'est censé être plutôt plat. Pourquoi il me fait n'importe quoi, là? Voilà. À peu près plat. Ok. Là, comme ça, on peut mettre une université ici, une à coller comme ça. Ça fait deux bâtiments. Derrière, on met un petit parc. Pour faire une jolie université. Alors attends, qu'est-ce qu'on a en gros? Ah non, mais ça c'est trop gros. Un petit parc, j'ai dit. Voilà, ça. Hop, parfait. Bah, attends, on peut même mettre un autre bâtiment comme ça, là. Voilà, nickel. Comme ça, on met trois petites universités, un petit parc. Et puis derrière, on va se mettre un autre bout d'université. Regarde-moi ça. Route requise. Alors attends. Il faut qu'on mette une petite route. Ah, je suis pas sûr que ça passe, là. Ouais, ça fait combien de largeur, ça? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'oublie un point.
Hop, et là je mets l'université, ça passe. Ah mais non, mais d'accord, il y a les trucs qui dépassent derrière. Ah merde, j'avais pas vu. Ok, my bad. Il y a déjà un parc derrière, mais c'est pas grave. Ça fait une belle zone comme ça. Ah mais là c'est pas plat. En vrai on va laisser comme ça, juste comme ça, en vrai ça me suffit moi. Ouais, l'université avec... Ouais, c'est bien. Ok, let's go. Et par contre on n'a pas le bus qui passe devant, tant pis. T'as chopé où ce bâtiment universitaire? Bah c'est un mode aussi hein. Mais il est beau hein, il est pas mal celui-là, je l'ai même pas vu. Ah ouais, il fait 150, alors il fait pas énormément d'étudiants, mais au moins ça nous en met un peu dedans quoi. Alors et le bus passe pas loin après, donc là, il faudrait presque qu'on ajoute un arrêt par là. En vrai, il faudrait presque faire un petit arrêt là, mais bon. Les gens, ils marchent. Hein. On va mettre une petite route piétonne là, attends. On va mettre un petit chemin piéton entre les bâtiments là, regarde ça. Hop. Voilà. Ça, c'est pour les... Nickel. Ça, c'est top. Je vais juste enlever les feux, par contre. Ah oui, mais du coup, il n'y a pas de... Bon, c'est pas grave. Comme ça, les gens, ils peuvent traverser à pied. Non, mais ça, c'est cool. Les passes piétons sont bien faits, quand même. Regarde sur le workshop, hein. J'ai dû trouver un truc cool, puis ça a marché. Hein. Et donc, les bus bleus... Ah oui, ils marchent bien déjà, hein. 50% d'utilisation. On va en rajouter de nouveau deux de plus, voilà. Ils sont pleins là, ouais, il y en a un qui est plein. Et l'autre ligne, par contre, je vois qu'elle souffre un peu de la première, du coup, c'est bizarre. Et du coup, en termes de circuit, on va la remonter un peu, mais c'est pas foufou non plus. Ok. Ok, pas mal, ça grandit. Bon, on n'a pas fait beaucoup d'habitations aujourd'hui, mais on a essayé de... Bon, il y a des problèmes là, par contre, c'est quoi ça? Pas assez de clients. Et pourtant, le chômage reprend de la... C'est bizarre, hein. Est-ce qu'on n'a pas un décalage entre l'emploi disponible et la qualification de nos salariés? Regardons cela. Alors, l'emploi, c'est où déjà? Tourisme, c'est pas ça, c'est là l'emploi. Alors, bonheur, on s'en fout. Richesse, voilà. Instruit, alors combien on en a? Bah non, pourtant on est bon. Espace de travail Toto, employé, instruction. Bah non, on est bon pourtant. Ah, il manque des sans instruction. Il manque du sans instruction en fait. Peu instruit, ça va. Instruit, c'est bon. Non, on est pas mal, hein. Il manque juste du sans instruction. Il faudrait qu'on ouvre plus d'emplois pour le sans instruction, mais le truc, c'est comment ça se fait? Ah, bah pourtant les gens, ils vont à l'école. Bah, il faudrait qu'on rajoute du sans instruction, il faudrait qu'on mette des champs ou de l'agriculture, des trucs comme ça, quoi. C'est pas, je suis pas en train de dire que l'agriculture, c'est pour les débiles, hein. C'est le jeu, hein, c'est pas moi. Hein. Calmez-vous. Après, c'est vrai qu'on a très peu d'usines, hein. Ouais, mais tu vois, les usines, elles cherchent du hautement qualifié aussi. Tu vois, employés. Ah, bah non, sans instruction. Bah, on va rajouter quelques usines, vas-y. Vas-y, mettons quelques usines, là, dans ce petit quartier usinaire. Ah, mais attends, on a des usines uniques. Voilà, complètement d'une usine de véhicules, c'est un peu gros. C'est quoi ça? Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Ça va faire combien d'emplois ça? Ça va faire de l'emploi, mon petit pote. Tac. Ça dégage. Voilà, c'est quoi ça? C'est pour le gisement de minerai, parfait. On n'a pas un autre comme ça qui peut être bien? Maison du lait. Ah, on n'a pas fait trop de bêtes. Non, on l'a fait en plus, on va mettre la maison du lait. On va aller la mettre près de ce quartier là. Attends. C'est où qu'on a des champs là? Là on a des champs. On va mettre une petite maison du lait. Ah, par contre, il y a un problème hein. 29 hautement qualifiés. Ah oui, il faut des gens instruits. Hein. Bah, crise économique, oui et non, c'est juste une crise de l'emploi, quoi. C'est en fait, on n'est plus en phase entre les besoins d'emploi et la qualification des gens. Ah oh, bah, il y a un débordement d'eau là, dis donc. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas joué avec l'eau, c'est pas moi, hein, je vous jure. C'est vraiment pas moi. Voilà, c'est le jeu tout seul qui déborde de l'eau. Donc j'y suis pour rien. Et n'empêche, une fois que t'enlèves les taxis, il y a vachement de problèmes. Hein. C'est fou, hein. La gare. Les trains. Oh, il y a 225 employés à la gare? Ah, bah quand même, dis donc, ça fait du monde, hein. Mes trains, ils sont où? Ah bah, il n'y a plus personne. Ah mais oui, on est la nuit, on est 6h15, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui prend les transports. Ah bah oui, je suis bête. Est-ce que ça nous a créé de l'emploi, mes deux bâtiments que j'ai ajoutés, là? Zéro? Ok. On va passer en x4 pour voir. Bah, pour l'instant, les bâtiments ils marchent pas, donc ça va pas nous créer d'emploi là. Là non plus, donc on est toujours à notre chômage élevé là. Et ouais, il faut des sans instruction. Alors, on pourrait mettre quelques champs en plus. Combien ça crée d'emplois les champs par exemple? Ah ouais, 48 emplois, ouais, mais que 12 chez les sans instruits en fait. Donc c'est pas tant que ça non plus, hein. Genre ça crée combien d'emplois?
Ah ouais, 15 quand même. Bah vas-y, on va rajouter un peu du... On va mettre des petits corps de ferme le long des... Le long, là. Bon, là, là, par exemple, tac, il y a des petits endroits. Hop. Ah, mais il met que des silos, c'est chiant. Pourquoi il met que des silos? Non, ça construit trop vite, c'est pour ça qu'il met que des silos. Arrête de mettre des silos, OMG. Je veux pas de silos. Casse-toi. Il met que des silos, ce con. Ça fait pas d'employés, un silo. Ça fait combien d'employés, un silo? Mais oui, ça fait pas d'employés, on s'en fout. Marre-toi. On peut pas interdire les silos? Ah bah c'est ça qu'il nous faut, Farming Zone. Mais c'est que du stockage. Pourquoi il met que du stockage? Il est con. Attends, mais c'est débile. Oui, mais il met que des trucs de stockage là. On s'en fout. Oh là là, mais ça va pas. Et tout le monde, c'est quoi l'autre pour réduire les taxis? Taxi. Nos taxis, ah, je sais plus, mince. Mais en tout cas, il est pas mal. On va mettre des bêtes. En vrai, tu tags taxi dans les paradox mode et tu le trouves. On va mettre des bêtes. On va enlever tout ça, là. Et on va mettre un petit champ de bêtes. Voilà. Merci beaucoup, Dorian. Non, mais en vrai, il est très très bien, ce mode. Il change un peu la vie, il faut être honnête. Tac, allez. Petit champ de... Ça cause de... Tu crois que c'est à cause du chemin de terre? Attends, vas-y, on va... Ah non, parce que là, ça fait pareil. Non, je crois pas que c'est à cause du chemin de terre, hein. Ah, j'avais pas bien compris comment ils se mettaient ces trucs. Après, c'est des modes, hein, donc c'est normal. Ah oui, bon là, faut que je recommence à zéro. Que l'emploi est un peu galère à gérer là, sur cette map-là. Alors, je sais pas si c'est la quantité de modes qui fait que ça pète un peu le calcul du jeu. Bah, là, nos vaches, elles vont avoir du terrain, là. C'est pas une ferme de vaches de 15 000 vaches, là. Ça, là, tu vois, elles vont pouvoir brouter de l'herbe, là. Voilà. Belle ferme à vaches. Let's go. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Pense à te donner dans les champs aussi. Mais non, mais en fait, tu sais pourquoi j'en ai parmi? Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas de vent. Donc mes éoliennes, elles produisent que dalle. Hein. C'est nul. Elles produisent 3 MWh là, alors que j'en ai certaines qui produisent. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de vent ici. Donc c'est pas ouf. Vitesse du vent trop faible. Donc on en met deux, mais pas plus. Et on pourrait rajouter quelques arbres aussi, parce que ça se fait bien au milieu des champs. Ah, pas au milieu des champs, mais à côté des champs. De mettre quelques arbres. C'est où les arbres déjà? C'est là. Je trouvais plus les arbres. Hop. Pas en anarchie. On se met quelques arbres par-ci par-là, genre là. Pas des petits coins un peu plus verts. Le long des champs, là. Voilà. Bon, c'est l'automne, là, donc forcément, ils sont pas très beaux. Ça produit peu, mais c'est stylé quand même. Vous voulez qu'on... On peut en rajouter une petite éolienne dans notre nouveau champ, là. C'est vrai que ça fait un petit style quand même. Là, on peut mettre une petite éolienne en vrai. Là. La fou, genre par là. Alors attends, par contre, faut que je refasse entièrement le bazar. Attends. Ça crée combien d'emplois sinon? Mais 22, c'est bien ça. Faut faire des bêtes. Ça crée de l'emploi. Alors attends, vas-y, on va faire des bêtes. Tac. Tac. Bam, on était connecté là. Ici. Et après, je sais plus comment on avait fait l'autre fois. On avait fait le tour comme ça, je crois. Ouais. Je crois qu'on avait fait ça. Ouais, je crois que c'est comme ça. Paf. Voilà, nickel. Et après, on la connecte au réseau électrique. Bah, j'aurais pu juste... Oui, ouais, c'est bon. C'est fait. Ah, oh, je suis bête à sous. Voilà, hop. Et là, on l'améliore. On lui rajoute... Oh, ah, vous savez ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre des champs de panneaux solaires au milieu des champs aussi. Non, on n'est pas... Bah non, c'est con, du coup. C'est bête. Non, c'est bête. Ok, je suis con. C'est moi. Est-ce que ça nous fait baisser le taux de chômage ou pas du tout? Après, il y a 12 employés. Ah non, il augmente. Ça produit peu, mais c'est stylé. Voilà. C'est un peu l'idée de cette map. Ça produit peu, mais c'est stylé. Bonne soirée, Roi Filou. À la semaine prochaine. Nos bus bleus. Est-ce qu'il faut plus de bus sur les bleus? Alors... Oh là là, oui, disons, ça marche fort là. On va en rajouter deux de plus. Et oh. Hop, on va passer à 11 bus. Il devrait être suffisant, je pense. Ah oui, mais non, on peut plus en mettre plus. Et oui, parce que le dépôt de bus est trop petit, je pense. Il est où le dépôt de bus? Ah oui, puis je peux pas l'améliorer maintenant. Où je l'ai mis? Je suis bête, parce que c'est limité à 25 véhicules. Et là, on en a déjà 17 plus 3, 20. Ah oui, du coup, on est limité à 5 véhicules. Ah oui, bah, il nous faut un deuxième dépôt de bus.
Oh là là, dépôt de bus, on va aller le mettre où? On va aller le mettre bah, à côté du dépôt de train, tiens. Et allez hop, on va l'améliorer ce coup-là, celui-là. Voilà. Comme ça, on va aller mettre des bus bleus, nickel. Là, du coup, attends, il va m'en mettre 6 d'un coup, du coup, là. Donc on va en enlever 2, on va redescendre à 9, voilà. Ok, et donc le train aux heures de pointe a l'air de fonctionner un peu mieux. Alors le jeu lag déjà de ouf, hein. Alors, je comprends pas comment c'est possible, mais... On a 28 000 habitants, donc faut se calmer. Le train, ouais, sont 44, c'est pas foufou, mais bon, ça fonctionne quand même. Vous avez mangé, vous avez fait quoi? Bon, on a rajouté une ligne de bus, on a rajouté des champs. On a fait quelques petits trucs, quoi, voilà, rien de foufou, mais bon, on a fait des petits trucs. Ok, le chômage... Ah, le chômage a gagné 0,6%. Les étudiants, là, c'est bien plein. Ah oui, tout est full plein, par contre. On peut pas les améliorer, ces bâtiments, non, dommage. Moi, j'étais pas mal avec le petit parc derrière, la petite université, là. Ouais, après, il y a moyen de faire un truc encore plus joli. Je pense où tu prends un bâtiment comme ça et tu mets deux trucs comme ça à côté. Enfin, il y a moyen de faire un truc joli, je pense, avec ces bâtiments-là. Il y a moyen de faire un truc joli. Bon, non, la gare de fret sert à rien. Non, 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 elle sert à rien. En plus, on produit très peu d'usines, donc ça servira à rien. Qu'est-ce qu'il y a là? Oula! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, il y a un bout de route qui était pété là. On va refaire ça. Voilà. Tac. Bon. Alors, la gare routière servira à rien là. On va s'arrêter là pour ce soir, mesdames et messieurs. Oui, voilà, on approche des 22h. On a bien avancé quand même. On a fait double jeu ce soir.